Bienvenue les amis, bienvenue. Halloween, Halloween arrive. Oh, N'Golo Horror Show. Eh bien salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien. Nouvelle vidéo les gars sur Euro Truck Simulator 2, ça faisait très longtemps et je suis très excité de vous présenter cette nouvelle vidéo. Voilà, j'espère que ça vous a plu cette intro. J'espère aussi surtout que les vidéos Euro Truck vont de nouveau vous hyper, parce que là on est parti pour une ambiance Halloween. Alors vous avez devant vous un nouveau camion, pas n'importe lequel puisque c'est un Peterbilt, c'est un camion totalement américain. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors les amis, je suis sur mon profil où il n'y a zéro cheat. Je n'ai pas cheaté. Pour preuve, vous voyez mon argent, je suis dans la merde. J'ai refait un troisième prêt à la banque. Je vous le dis, c'est la galère. Je vais vous montrer tout simplement. Mais ne vous inquiétez pas, puisque de toute façon, on est là pour s'amuser, on est là pour rigoler. Et puis, je vais encore rouler en off parce que je redécouvre le jeu, les gars, justement avec ce camion. Je redécouvre le jeu, j'aimerais vous présenter tout ça. D'abord, donc, je vous montre la banque. Hein, souvenez-vous, on a fait un prêt de 400 000. D'abord, on avait fait un prêt de... Oui, d'abord 400 000, ensuite 100 000, et là, j'ai refait 100 000. C'est la galère, mais tout se passe bien. J'ai dû revendre mon précédent camion, le Ford. J'ai revendu plein d'accessoires sur mon autre camion qui est utilisé par mon employé, donc pour le renoter. Voilà, qui est utilisé par Petra et qui me rapporte, qui rapporte plus que moi visiblement. En tout cas, voilà. Je fais des compromis pour pouvoir proposer des vidéos qui vont, j'espère, être variées. Puisque les amis, vous le voyez, aujourd'hui, le Peterbilt. Alors, pourquoi c'est un camion américain? C'est un camion qui, pour moi, America, tu mets dans la nuit. En mauve comme ça, c'est film d'horreur. Voilà, je vous le dis, pour moi c'est film d'horreur. Enfin, j'adore les Peterbilt, mais c'est typiquement le scénario de film d'horreur dans la nuit, ça, ce genre de camion. Donc c'est pour ça que j'ai voulu le prendre direct. Je vais vous montrer l'intérieur, mais d'abord, la livraison qu'on va transporter aujourd'hui, c'est des creepy candy, donc des bonbons effrayants. Et oui, puisque Halloween approche, donc on est dans une ambiance Halloween, vous l'avez vu avec mes vidéos Planet Coaster. Voilà, j'ai vraiment envie de profiter de l'ambiance Halloween cette année. Alors sans plus tarder, on va tout simplement chercher nos bonbons. Et donc voilà, il va y avoir des livraisons en rapport avec Halloween. Donc voilà, des petites décorations d'Halloween par-ci par-là. On va faire tout ça. Je vais vous montrer le trajet dans quelques instants. Vous allez voir, ça va être bien sympa. Hop, pas tout à fait centré, hein, clairement. Oh, quoique. Hop, je m'arrête là. Eh, attends, par contre, si je me suis bien centré. C'est pas mal. C'est déjà pas mal. Donc l'intérieur avec un crâne ici que vous allez voir. Un crâne ici, un crâne là. Et niveau déco, il n'y a pas plus que ça. On a une lumière d'ambiance d'intérieur. Vous l'avez vu dans l'intro de début de vidéo, mais quand il fait jour, forcément ça ne fonctionne pas. Et puis voilà un petit peu le camion qui... Et alors je redécouvre le jeu parce que vous allez le voir les gars. Vous allez le voir. Mais conduire... mince, le suivi de la tête. Conduire avec ce genre de camion en Europe, c'est pas du tout adapté comme vous le savez. Ça me fait redécouvrir le jeu. Et c'est très excitant parce que ça fait que je roule beaucoup plus sérieusement. Dans les endroits où il faut être sérieux. Et ça fait plaisir. Alors là on est à Sanok, donc une ville en Pologne, hein, si je dis pas de bêtises. Et on va aller ici. Putain, mais on peut pas avoir le nom de la... du pays auquel on va là, parce que à un moment donné j'en ai marre d'être approximatif. Si je fais ça par exemple. Voilà, on est en Pologne et on va en Slovaquie. Voilà, on va en Slovaquie. Je ne sais plus dans quel... on va à Banská Bystrica, voilà, bah, c'est en Slovaquie quoi. Donc d'ailleurs c'est de la route qu'on n'a pas encore prise, hein, si je dis pas de bêtises. Voilà, totalement, c'est de la route qu'on n'a pas encore prise. Bon, c'est toujours sympa, mais en tout cas voilà, on va reprendre un petit peu dans l'ambiance Halloween. Parce que tout simplement, vous l'avez vu, hein, les dernières vidéos sur la chaîne, merci à tous déjà pour vos retours et votre soutien, ceux qui suivent vraiment mes autres contenus. Vous avez vu, j'essaye vraiment de faire de la qualité ces derniers temps, et forcément ça ne porte pas ses fruits puisque vous... En majorité, la communauté veut juste du Euro Truck et puis c'est tout quoi. Genre voilà. Sans forcément qu'il y ait de montage ou quoi. Mais c'est pas. Voilà, je comprends parfaitement. Donc d'ailleurs, j'espère que vous êtes content de me revoir sur Euro Truck là. Hop, je te passe devant si ça te dérange pas. On n'est pas là pour rigoler. Alors la conduite va être très différente qu'en temps normal. Hein, vous allez me voir prendre très large. Puisque bah, je suis large, tout simplement. Je suis large et je suis long. J'ai une grande longueur. Faut faire attention à ça. Donc je me suis entraîné hein, tout à l'heure. J'ai quand même bien roulé. Donc voilà, c'est pour vous montrer vraiment, je redécouvre le jeu et ça fait plaisir. Parce que oui, ces derniers temps, je faisais beaucoup moins d'Euro Truck. Parce que voilà, tout simplement, parce que c'est la vie. Et puis beaucoup de lives sur Twitch, n'hésitez pas à me follow sur Twitch. Parce que de toute façon, je vais privilégier les lives Euro Truck là. Enfin non, attention, j'ai dit une bêtise. Mais bref, je privilégie les lives en ce moment plutôt que les vidéos. Parce que les vidéos maintenant, vous avez vu, j'essaie de les monter, de faire des, voilà, des chouettes vidéos. Mince, attends, je laisse passer, excuse-moi.
Et comme mon nez avance, il me laisse passer. C'est gentil. Merci frérot. Bref, forcément j'ai pas à peu près tout le monde. En Pologne, c'est pas tous les jours qu'on voit des camions américains. Hop là, le ralentisseur qui fait plaisir. On va sortir de ce petit village. Donc voilà, forcément je joue quand même beaucoup moins à Euro Truck ces derniers temps. On a fait, vous avez vu la vidéo qui est sortie lundi, justement, rediffusion du live Twitch qu'on a fait avec LCS et Fox et Miss et My Godness. C'était génial, la surprise voilà que Miss conduise. Donc on était à 4 au total. Et voilà, on a passé du bon temps, donc suivez-moi sur Twitch. Et donc voilà, forcément, je faisais plus trop de Euro Truck et encore moins sur cette carrière. Et le fait justement d'être passé sur ce camion-là, ça change totalement tout. Parce que voilà, les camions américains, c'est quelque chose à manier, quoi. C'est clairement quelque chose à manier. C'est pas comme des camions de type européen ou des voitures, évidemment. C'est vraiment différent. C'est vraiment une autre immersion, une autre. Voilà. Et en même temps, c'est pas American Truck Simulator. C'est-à-dire que les paysages sont toujours aussi beaux et c'est que du kiff. Donc voilà, forcément, là, je redécouvre le jeu. Vous allez voir, c'est surtout dans les giratoires qu'on va prendre des ronds-points. C'est assez terrible parce qu'il faut vraiment assumer la remorque. Il faut la faire monter sur le trottoir. Il faut la faire monter sur le giratoire. C'est pas un problème. Mais le camion, lui, il peut pas. Le camion, il peut pas. Ben, de toute façon, vous voyez sa gueule à l'avant. Voilà. Il peut pas monter sur les trottoirs, lui. Donc lui on peut pas, sinon on est bloqué. Donc là voilà, on va rigoler sur ce giratoire là. Ça va être assez cocasse. Et c'est ça qu'on aime. Et c'est ça qu'on aime. Donc là vraiment je redécouvre. Là en général je le prends ultra rapidement. Et là c'est pas des blagues. C'est qu'on va vraiment le prendre comme des américains. Là tu vois, faut faire attention à l'avant. Donc à la fois tu prends large et à la fois pas trop non plus. Les véhicules ils te respectent pas. Donc là voilà, là j'ai pas le choix. L'arrière de la remorque là, il faut qu'on la fasse un petit peu monter. Même carrément monter. Mais c'est comme ça, on n'a pas le choix. Et c'est assez amusant. Et là on va faire un petit tout droit. Hop, voilà. C'est assez amusant. Et voilà, ça me fait vraiment redécouvrir le jeu. C'est vraiment une autre façon de jouer. Une autre façon de rouler. Amen. Et voilà, c'est plutôt cocasse. Donc bref les copains, j'espère vraiment, mais vraiment du fond du cœur, que vous kiffez cette vidéo là. J'espère vraiment que vous êtes content de me revoir sur le jeu. Si oui, faites-le moi savoir. Vous me bombardez la barre de like comme jamais. Vous me mettez vos commentaires, vos retours, vos impressions, ce que vous en pensez de tout ça. Et comme ça je vois si vous êtes hype ou non. Parce que clairement bah voilà, pour savoir dans quoi je vais continuer. Parce que je fais moins de vidéos et j'essaie de faire plus de qualité. Mais si en fin de compte vous préférez de toute façon que je fasse de la quantité sur un type de jeu, même s'il n'y a pas de voilà. Moi je veux vraiment essayer de plaire à tout le monde en même temps en me faisant kiffer. C'est pour ça que pour autant je vais pas arrêter mes vidéos qui font pas beaucoup de vues. Mais je veux voir, voilà, je veux prendre la température sur quel type de contenu là en ce moment actuellement vous appréciez. Forcément on est en septembre et je suis dans une ambiance Halloween. Un petit peu pour vous expliquer mes raisons, mes motivations. Parce que j'adore la mort. Non, tout simplement parce que Halloween, et j'en ai parlé dans ma vidéo Planet Coaster qui est sortie vendredi dernier. Halloween, c'est une fête qui m'a toujours fait quelque chose et que j'ai jamais pu profiter à fond durant ces précédentes années. Alors je vais pas jeter la pierre sur des gens, mais bon, en fait, chaque année où je voulais fêter Halloween, d'une certaine façon, il y avait toujours quelque chose qui faisait que je ne pouvais pas fêter Halloween comme je l'entendais. Ça m'a toujours fait kiffer l'ambiance. Ça m'a toujours fait kiffer d'avoir peur. Ça m'a toujours fait kiffer de faire peur aux gens. Évidemment, attention tout de même, le but n'est pas de tuer les gens. Mais ça m'a toujours fait peur, même si ça peut paraître un peu pervers. Et c'est bizarre ce que je veux dire, mais c'est vrai. Hein. Ça m'a toujours... J'ai toujours kiffé faire peur aux gens. Mais de manière gentille, bien sûr. Mais voilà, créer une ambiance. Et c'est vraiment une phrase de psychopathe ce que je suis en train de dire. Mais vous comprendrez très vite là où je veux en venir. C'est voilà, là où je crée mon parc d'attractions d'horreur. Vous comprenez un petit peu le délire. Ah, je me souviens de cet avion, on était déjà passé par là évidemment. Mais donc voilà, moi j'aime beaucoup l'ambiance Halloween. J'ai jamais pu vraiment le fêter comme je le voulais. Et voilà, j'adore jouer à des... Enfin, c'est pas que j'aime jouer à des jeux d'horreur. Mais j'aime... J'aime cette ambiance. Tout simplement me dire voilà, la fumée. En fait voilà, c'est ça. Moi j'aime tout ce qui est fête foraine. Alors fête foraine n'a pas de rapport avec Halloween. Mais c'est le même délire que il fait nuit tôt. Il fait nuit tôt, il y a les lampadaires, il y a de la brume. C'est ça moi qui me fait kiffer, vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est l'ambiance tout simplement de fin d'année. Mais pas la fin d'année festive Noël. La fin d'année Qu'est-ce que je veux dire? Eh, je fais bien le bruit de la sorcière hein. Ou c'est peut-être un petit peu le bruit d'un clown. Un petit mélange des deux. Si jamais il y a des fêtes foraines ou des parcs d'attractions qui veulent engager un gars pour faire peur, embauchez-moi. De toute façon, j'ai même pas besoin de déguisement, je fais peur par définition. Donc c'est formidable. N'hésitez pas à m'embaucher si ça vous intéresse. Évidemment, je coûterai cher. Mais en tout cas, voilà.
Voilà, ça fait plaisir. Je vais avoir des problèmes moi avec ce que je suis en train de faire. En tout cas voilà, j'aime beaucoup Halloween. Et donc cette année vraiment j'avais envie d'en profiter. Tout a commencé sur Planet Coaster quand j'ai eu ce déclic. Parce que vous savez que quand bah, sur Planet Coaster on peut faire des trains fantômes. Et dans chaque parc d'attraction de Planet Coaster en général on aime bien faire un petit train fantôme, comme on appelle. Alors là je parle pour la communauté Euro Truck, donc je vais pas prendre les termes techniques Dark Ride, n'est-ce pas. Alors attends, là on va rigoler. Là ça passera pas, mais là ça passe. J'ai croisé mes bras sur le volant, il ne faut pas faire ça. Amateur. Mais en tout cas oui, donc tout a commencé là. Oui voilà, on peut faire des trains fantômes. Et puis d'un coup j'ai eu un déclic de faire carrément tout un parc horrifique. Et ouais, j'ai une inspiration de malade pour le coup, vraiment. Genre vraiment vraiment. Parce que vous avez vu vendredi là, pour ceux qui ont vu la vidéo Planet Coaster, vous êtes pas prêts pour la suite. Et même ceux qui ne s'intéressent pas à Planet Coaster, n'hésitez pas à regarder, ceux qui aiment bien Halloween ou l'ambiance. Je fais un truc, je suis très content. Donc vraiment tout est parti de là. J'avais toujours comme optique de profiter d'Halloween entre guillemets. Moi j'aime bien créer du contenu, j'aime bien créer des trucs qui font peur, comme vous le savez, puisque j'aime faire peur aux gens. Attention tout de même. Est-ce que je laisse passer le bus derrière me doubler ou je... Hein? Qu'en pensez-vous? Parce que là il va faire chier tout le monde. Alors, sachant que le compteur il est en miles par heure, hein. Donc 45 miles par heure, je sais pas à quoi ça correspond. Attends, je vais ralentir là, en plus il y a des travaux là, c'est un peu dangereux. Je vais le laisser me doubler. Hein, on va y aller tranquillou. Et en plus il y a un accident devant là, il y a une panne. Il y a une panne, donc. Ah bah en plus c'est un camion, c'est pas un bus. Attends, je mets le clignot juste pour dire que je me déporte un peu. Voilà. Bon, la voiture va me doubler sans problème. Je peux accélérer tranquillement. Parce qu'il y a de la bosse là, dis donc. Hop là. Franck Dubos. Donc ouais voilà, j'ai envie de profiter d'Halloween, donc créer du contenu horrifique, donc Planet Coaster, Euro Truck, être dans l'ambiance bien évidemment, et il y a des travaux partout dis donc. Et éventuellement faire des lives jeux d'horreur. Alors forcément moi les jeux d'horreur c'est un peu la galère parce que je suis très mauvais, parce que j'ai peur en fait, concrètement j'aime l'ambiance, mais je n'arrive pas à jouer, j'ai très peur, moi j'arrive pas à avancer dans les jeux d'horreur. C'est fou. Donc je sais pas, il y aura probablement des lives horrifiques dans les prochains temps, des vidéos sur des jeux d'horreur. Peut-être plus même des vidéos sur des jeux d'horreur, parce que moi les vidéos ça me permet de faire des montages, vous préparer des petites surprises, des effets spéciaux. Mais bon, encore faut-il que ça vous plaise, parce que ce ne sera pas du Euro Truck par définition. Mais bon voilà, en tout cas comme ça vous savez vraiment. Halloween, j'ai vraiment là envie d'en profiter cette année comme jamais, parce que voilà, c'est vraiment dommage d'ailleurs qu'en France Halloween se soit si peu fêté. Et je l'entends pas, enfin je l'entends parfaitement. Je le dis réellement, parce que réellement Halloween en France c'est carrément tabou quoi. Genre peut-être pas pour notre génération, pour notre jeunesse, tant mieux d'ailleurs. Mais ça reste quand même relativement tabou quoi. Après c'est sûr, voilà, le lendemain c'est quoi le lendemain là? Le lendemain, bref, que c'est férié, vous savez, bah c'est bref, c'est la fête des morts quoi. Je sais plus comment ça s'appelle, je suis un petit peu débile. J'ai jamais été trop dans ce délire là. Mais en tout cas donc voilà, c'est tabou. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. American. Putain, là il y a des beaux travaux là. À mon avis ils vont nous faire une très belle autoroute. C'est sympa. Il y a un hélicoptère qui surveille là-haut, donc on va quand même garder les distances. Alors vous l'avez peut-être remarqué, bon encore j'ai pas trop roulé comme un fou hein, mais je suis débridé hein. Sur ce camion je suis débridé. J'ai voulu me... je me suis dit, si déjà on est sur un camion américain, on va pas commencer à se casser les couilles. On a le compteur qui est en miles par heure, on sait même pas à combien on roule. Donc en fait quand l'aiguille est sur 80 là, on n'est pas à 80 km/h. Vous le remarquerez très vite. On sera aux alentours de 150. Bon évidemment on va pas atteindre ces vitesses là trop souvent. Mais pour vous dire, je suis débridé, voilà, on en profite. C'est toujours sympa, le camion est aussi puissant. Donc voilà. Et on n'a pas l'impression qu'on roule si vite que ça hein. Là regardez, je suis à 70 miles par heure, et en fait je suis à 110 km/h. Mais pour ce camion américain, t'as pas trop la sensation de vitesse. Alors ma remorque derrière, c'est pas non plus un truc fragile qui se retourne et qui va... Voilà, c'est 2 tonnes, je crois, de cargaison. C'est des bonbons. Donc forcément, on peut se permettre de rouler à vive allure. Bien évidemment, faire attention au radar. Bien évidemment. Mais voilà. Et c'est sympa l'ambiance, vous voyez, il y a plein de sapins, plein de trucs comme ça. Ben voilà, moi c'est l'ambiance qui me plaît, il fait jour. Mais les sapins comme ça, c'est vraiment... La nuit. Insupportable, mec. Insupportable. Bon, donc, en tout cas, voilà, quoi. On va quand même essayer de rester correct.
Bon, et puis prochaine destination, comme dit, hein, sud de la France, hein, avec le mode, on n'y est toujours pas allé évidemment, mais on fera ça. Bien sûr, si vous kiffez toujours autant les vidéos Euro Truck de cette façon-là, bien évidemment. Bon, quand est-ce que je pourrais doubler? Parce que l'autre il freine devant, il commence à me saouler là. Hop. Faut prendre en compte que j'ai un long nez devant. Hein. Bon, c'est comme dans la vraie vie, donc j'ai l'habitude, mais je veux dire, faire attention à pas, tu vois, tourner trop vite. Et ce sera un petit peu dommage. Tout simplement, nous avons des beaux Volvo là. Volvo, transporté par quoi? C'est quoi ça? C'est un man? Mec, je commence à être balèze. Je commence vraiment à connaître les camions quoi. J'ai su direct que c'était un man. Alors certains me diront, bah oui mais ça se voit. Mais oui, mais moi je suis pas connaisseur de camions. Eh, t'as vu ça? Il y en a dans la caboche. Il y en a dans la caboche. Renault, DAF, Renault, Mercedes, Renault. Magnifique. Je suis bon. Très très fort le loulou. Bon, ça je sais pas ce que c'est comme camionnette. Ça c'est du DAF. Si j'ai dit une bêtise, n'hésitez pas à me le dire. Bon là j'ai pas eu le temps de regarder parce que je virage, hein, quand même, on va éviter de faire un accident. Mais voilà, hein, simplement. Le petit virage, regardez, c'est bien, c'est une voie rapide, une autoroute. Une voie rapide, il n'y avait pas de péage. Mais on a des virages. Virage. Et c'est sympa. Virage radio. C'est sympa. Par contre ça c'est un peu plus chiant. Alors on va essayer de gruger tout le monde. Moi j'ai un camion américain donc j'impose. Hop, déjà voilà, j'ai gratté sur une voiture. J'ai gratté une voiture. J'aurais pu gratter celle de devant malheureusement. Pas possible. Voilà. Et là j'imagine qu'on va passer la frontière. Pas du tout. Alors là les bip 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 que vous avez entendu, c'est les prêts à la banque, hein. C'est les échéances bien évidemment. Vous l'aurez compris, hein. Ouais, oui. Eh oui. Il y a du trafic là, dis donc. J'aime bien ce camion. Alors, dommage qu'on puisse pas le customiser à donf. J'aurais vraiment aimé, voilà, mettre plein de trucs, plein de déco. Et justement, on aurait mis plein de déco d'Halloween, tu vois. Genre, on aurait customisé des textures. Mais du coup, on peut pas. Du coup, je pouvais pas le customiser. Je pouvais juste mettre le crâne là-haut et les crânes sur le volant. Et customiser le volant. C'est tout ce que j'ai pu faire. J'ai rien pu faire d'autre. Bon, j'ai un petit peu custom le camion. J'ai fait en sorte que ça rentre dans les prix. D'ailleurs, j'ai même fait de la customisation, nom de Dieu. Parce que de base, il était à je sais plus combien de chevaux. Et je crois que là, il est à 600 chevaux. Un truc dans le genre. Je suis pas sûr de ce que je dis. En tout cas, il a entre 500 et 600 chevaux. Et j'ai même gratté de la thune en faisant cette customisation là. Parce que j'ai pris un moteur visiblement peut-être moins coté. Mais qui fonctionne tout aussi bien. Et donc, du coup, voilà. C'était... Sinon, je pouvais pas l'acheter le camion. Hein, c'est simple. Ou alors, il aurait eu 300 chevaux. Mais bon, j'avais pas trop envie. J'avais vraiment envie de profiter, voilà, un camion américain. Donc, eh mais c'est super sympa cette route là. Je m'éclate, ça se voit sur ma tête ou pas là? Oui, quand je fronce les sourcils, c'est que je m'éclate. En moto, je fronce les sourcils aussi, hein. Si vous verriez ma gueule sous mon plexiglas teinté. Hop là. Magnifique tout ça. Magnifique. Bon, on peut parler aussi un petit peu de Call of. C'est assez amusant parce qu'au moment où cette vidéo sort, la bêta de Call of Duty Modern Warfare 2 sera terminée. Et j'y aurai joué. Alors que là, à l'heure où je vous parle, je n'ai pas encore joué à la bêta de Call of Duty Modern Warfare 2. Et c'est rigolo. C'est rigolo. Du coup, on va pas en parler parce qu'on arrive à destination. C'est con, hein. Non mais voilà, parce que je suis à la fois hype par MW2, à la fois j'ai des a priori. Forcément, ils savent comment nous vendre du rêve. Là, on n'a pas le temps d'épiloguer ou de débattre là-dessus. Ah, pour ceux que ça intéresse, Call of Duty. Hein. Mais raconte pas ta vie, connard. Mais voilà, au moment où la vidéo sortira, j'aurai déjà mon vrai avis en ayant joué au jeu. Alors qu'actuellement, non. Donc c'est assez rigolo. Je trépasse d'impatience. Je suis tout excité, bien évidemment. Bien évidemment. Hop là, vous avez vu des DAF. Non, c'est des Volvo toujours. Des Volvo. C'est que les Volvo qui se font... ah ouais. Qui roulent en Volvo, finit sur le dos. Bon, pourquoi pas. C'est original comme phrase. On a tous les deux verts là ou pas? Non. Très bien. Hop. Allez-y, monsieur. Mais j'aime beaucoup ce camion parce que vraiment, comme dit, je...
Je redécouvre le jeu, c'est vraiment une autre façon de rouler. Malgré en plus d'être débridé, ça ce qui est rigolo. Mais voilà, dans les carrefours, faut faire ultra ultra gaffe. Genre même la largeur, regarde, là j'aurais pu taper le camion là en faisant faute d'inattention. Donc c'est vraiment cool. Après voilà, je vais vraiment rouler en off. Rouler en live sur Twitch. Voilà. Donc vraiment suivez-moi à fond les ballons. Alors là par contre on va pas voir le feu. Ah si, je le vois là. Voilà, ça aurait été un petit peu fort embêtant. Bonjour madame, vous êtes en jupe? Voilà, c'était au cas où vous ne le saviez pas, j'avais envie de le dire. Ça sert à rien ce que tu dis. Banska Bystrica. On a passé la frontière d'ailleurs, je m'en suis même pas rendu compte à quel moment on a passé la frontière. Ça, c'est vraiment génial l'espace Schengen. C'est top ça. Vive l'Europe. Alors, le feu est au rouge. Mais on est avec un camion américain, donc j'ai le droit de tourner à droite même si le feu est rouge. Ah non. C'est bien dommage. On aurait pu gruger le système. C'est vrai que les carrefours sont très grands, hein, comme aux États-Unis là. Hein. On s'y croirait presque. Ne me demandez pas si je vais retourner sur American Truck. Vous connaissez la réponse. Hein? Merci à tous. Et alors c'est bien, tout le monde est hypé par le nouveau DLC là. D'American Truck là. Ouais bah c'est bien. Ça rajoute plein de pauvreté encore. Non, je rigole les gars, je rigole. Vous connaissez mon avis sur American Truck et c'est trop cool que les gens kiffent. Mais voilà, moi c'est Euro Truck Forever for many regions. Hop là, on est arrivé. Alors attends, parce que du coup, les manœuvres aussi c'est assez cocasse, donc voyons voir, on peut pas tout faire. C'est-à-dire que ça, ça il faut pouvoir le faire demi-tour. Or, faire demi-tour, c'est pas possible. Donc il faut rentrer en marche arrière. Or, rentrer en marche arrière, c'est pas possible vu la route qu'on a. Donc en fait, on n'a pas le choix et on va devoir faire ça. C'est tout réfléchi, on n'a pas le choix, on peut pas faire autrement. Là, en marche arrière avec ce camion, ça aurait été pas possible. Il aurait fallu. On n'aurait pas pu faire demi-tour, je veux dire. Genre, regardez déjà là, sans taper le grillage, voilà, tu vois un petit peu le délire? Tu vois un petit peu. Voilà, tu vois, t'as compris. Rien de bien grave, hein, j'ai la protection devant. Hein. C'est pour ça que j'ai mis le pare-buffle, je sais pas comment ça s'appelle, j'appelle ça un pare-buffle. Voilà, j'ai envie d'inventer des mots maintenant. Mais bon, vous voyez un petit peu le délire quoi. Et là, je ne suis pas rangé, et je ne serai pas rangé à mon avis. Oh si, c'est bon. Je suis pas droit, mais au moins. L'essentiel, c'est qu'on soit arrivé et validé. Et ça, c'est cool. D'ailleurs, j'ai fini l'event à Nove. Hein. Voilà, mais je pense que vous le savez. J'avais, voilà, il fallait que je le place quand même. Donc maintenant, on a le droit à des super hologrammes dans le camion. C'est génial, c'est formidable. Voilà, les gars, on a de moins en moins d'argent. C'est tout à fait normal. Alors, normalement, la banque, voilà, ça me fait que ça. Hein. Forcément, découvert enfloué, votre compte est à découvert, découvert enfloué. Ça ne fait que ça. Et c'est pour ça que, vous inquiétez pas, on va s'en sortir. Moi, j'ai dit, je ne cheat pas. Je ne cheat pas, donc je joue le jeu et c'est comme ça. Moi, ce qu'il faudrait, c'est qu'on arrive à tellement rouler et tellement gagner de la thune qu'on ait assez pour se racheter un camion et réemployer quelqu'un. Mais je pense que c'est un gouffre financier. Je pense qu'on est dans un gouffre financier, mais bon. Les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Encore une fois, je compte sur vous si c'est le cas. Un maximum de pouces bleus, vos commentaires que je vais lire et que je vais répondre avec grand plaisir, bien évidemment. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. C'était Mkolo. D'ailleurs, vendredi, nouvelle vidéo. Voilà, c'est tout. Oh, arrête! Ciao tout le monde!